Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette toute première discussion, conversation mixte euh, en direct sur Facebook et sur la page YouTube du Festival de la bande dessinée de Montréal. Bienvenue à tous ceux qui nous se joignent à nous. On va être euh, très dynamique au courant de la conversation. Donc, euh, gênez-vous pas pour inviter vos amis vos familles aussi à participer. Euh, aujourd'hui, première conversation mixte. C'est quoi les conversations mixtes? En fait, cette année, le Festival de la bande dessinée de Montréal est à sa neuvième édition. Et pour sa neuvième édition, ils ont décidé de proposer une thématique qui est le neuvième art, parce que la bande dessinée est le neuvième art, et de proposer des réflexions sur comment la bande dessinée s'arrime, joue, échange avec les autres médiums artistiques. Et aujourd'hui, on va parler du lien qui existe entre les œuvres littéraires et les bandes dessinées avec un projet qui s'appelle Alice, qui est d'abord et avant tout un livre qui s'en va, ou qui est presque terminé, qui va, être, qui va paraître bientôt, qui va devenir une bande dessinée en fait. Alice, le projet de bande dessinée. Les conversations mixtes, si ça vous intéresse, c'est tous les mercredis du mois de mai pour le mois de la BD, bien sûr, à partir de 19h30. On est en direct pour la prochaine heure avec deux personnes, Patrick Sénécal et Jake Dion. Patrick, bonjour. bonjour. On va commencer par te présenter. Patrick, tu es auteur et scénariste. On te connaît bien sûr pour Sur le Seuil, 51-50 rue des Ormes, pour Sept Jours du Talion aussi et pour l'auteur de cette œuvre littéraire qui est le sujet d'aujourd'hui, qui est Alice. Et on a aussi Jake Dion. Bonjour, Jake. Salut. Jake Dion, tu es auteur de bande dessinée, dessinateur, illustrateur et également scénariste. On te connaît pour euh, Tours de Projets, Jardin Mécanique, pour euh, Turbo Kid aussi, la série 15, qui date euh, quand même un peu. Et là, tu es le, le, la personne qui a décidé de prendre en charge cette adaptation de la bande dessinée Alice. Merci. Donc, euh, ouais, gros projet, 500 <laughs> pages. Ça y va. C'est 270. 270. Oui, le, okay. le roman avait 500 pages, mais le, le, euh, la BD On est grand combien, es, combien, Jacques, tu dit? 270. Hey, Imagine-toi. Hey, c'est supposé être 200 pages au départ, puis là, un moment, on s'est dit bon, on bosse un peu, ça va être 250. Puis, finalement, je n'ai pas été capable de m'arrêter. Fait que euh, c'est 270 pages. <laughs> un petit appel à l'éditeur. Ouais, ça va être 270 finalement. Ah, ouais. ok. Euh, c'est un projet qui est signé par euh, justement les studios Luna, qui s'est censé paraître à l'automne 2020, mais d'abord le livre, hein? Euh, Alice, ce livre de 500 pages, Patrick, tu le disais, quand même assez une œuvre colossale qui a 20 ans cette année, c'est pas rien. Ça raconte quoi? C'est quoi cette. qui est d'abord même une adaptation. Hein? Si on parle d'adaptation, on peut ouais. commencer même par cette propre adaptation. Oui, le, 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 au départ Alice bon, c'est un roman que j'ai écrit en 2000, puis le, le j'avais moi je suis fasciné par Alice au pays des merveilles depuis longtemps j'avais découvert ça à l'université. Bon, j'avais vu le, le dessin animé de Walt Disney comme tout le monde, mais je trouvais aussi le conte de Carol, de Lewis Carroll extrêmement, je trouvais qu'il y avait quelque chose là-dedans d'assez 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 subversif, d'assez euh, je crois qu'il ne manquait pas grand-chose pour que ça devienne une histoire qui est plus pantoute pour enfant. Et, euh, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul qui a été inspiré par Alice au Pays des Merveilles. Il y, eu, il y a eu des groupes heavy metal qui ont été inspirés par ça. Il y a eu des, beaucoup d'autres films, euh, euh, même des films, des jeux vidéo. Euh, bon, euh, même dans The Matrix, il y a des allusions à Alice au Pays des Merveilles. Alors, j'avais le goût de faire une version trash, mais en même temps, tout, tout en gardant l'aspect compte qu'il y, qu y a dans l'original. Fait que euh, j'ai fait ça et euh, ça a sorti, bon, c'est ça, en 2020. C'est devenu un, un espèce de petit roman culte auprès de bien des gens. En 20 ans, j'ai beaucoup de lecteurs qui viennent me voir encore dans les salons du livre qui me disent qu'ils l'ont lu 5, 6, 7, 8 fois. Euh, des gens qui doivent le connaître plus que moi, en fait, ce roman-là. J'ai même des gens, des fois, qui viennent me voir déguisé en personnage. J'ai même des gens qui m'ont invité à une... Euh, qui ils disent qu'ils organisent des soirées échangistes à tous les mois et que mmh. le thème, c'est « Alice », c'est mon roman, c'est la reine rouge qu'il y a dans « Alice ». C'est très curieux tout, tout ce qu'il y a eu autour de ce roman-là euh, parce qu'il y a quelque chose d'underground là-dedans. Il y a quelque chose justement de, de, de très champ gauche qui, je pense, a inspiré beaucoup de gens. Et beaucoup de jeunes aussi, je pense, se sont retrouvés dans le questionnement d'Alice, euh, la jeune fille de 18 ans dans le roman. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont reconnus là-dedans dans... dans dans sa façon, tu sais, quand as 18 ans, tous tes questionnements sur la liberté, puis sur, euh, bon, sur la vie et tout ça. Fait que c'est devenu un roman qui, au départ, j'avais un peu peur d'écrire parce que j'avais peur qu'on me dise, « Boss, tu vas un peu dans n'importe quoi, tu fais juste être trash pour être trash », alors que c'est pas ce que je voulais, je voulais que ça ait du sens. Et finalement, ce roman-là m'a permis de... Ça a été un peu ma signature à partir de ce, de, de, de ce moment-là, de dire, « Bon, Sénécal est un roman qui peut... est un romancier, je veux dire, qui peut aller... Euh, ça m'a permis de tout écrire, finalement, après ça. Après avoir fait Alice, on dirait que j'avais tout, tout, tout était permis. Fait que voilà, un... je suis bien content, finalement, d'avoir mm -hmm. fait ça. <laughs> ben, effectivement, tout est un peu permis aussi dans cet univers underground, parce que l'histoire, c'est vraiment cette fameuse Alice, 18 ans, longueuil, banlieue, oui. euh, fée normale. On dirait qu'il y, qu y a un avenir déjà tracé devant elle. Et là, du jour au lendemain... Euh, elle décide d'annoncer à ses parents que non, elle ne fera pas cette voie tracée simple euh, et non. normale et elle décide d'aller à Montréal, prend le métro et se retrouve dans un underground trash. Un, un quartier violent. parallèle. Un quartier ouais. parallèle, en fait. Un quartier où, parallèle, oui. Où pour moi, tous les, tous, les, euh, tous les marginaux se retrouvent dans ce quartier-là euh, les prostituées, les dealers de dope, les assassins, les junkies, les, 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 les malades psychiatriques. C'est. C'est que finalement, tous les gens qui fuient quelque chose du réel se retrouvent dans ce quartier-là. C'est une espèce de métaphore, d'une espèce de, 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 de lieu où tous les, les outsiders pourraient se retrouver. Et tout ça, narrativement, il y a des liens à faire tout le long avec, le, avec le, le, Allez, au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Tu sais, il, y a, il y a des, des personnages qui, sont, euh, qui se retrouvent, mais bon, qui ne sont pas des animaux, là, qui ne sont plus des romans, des, des personnages pour enfants. Euh, C'est comme euh, le chat de Cheshire dans, dans, dans Les au Pays des Merveilles. C'est un chat, mais qui, qui, qui sourit dans le noir, puis on voit juste son sourire. Il est un peu inquiétant. Il y a beaucoup de choses hein, inquiétantes dans Les au Pays des Merveilles en passant. Alors, dans mon roman à moi, le chat de Cheshire devient Chess, un personnage, un junkie qui est tellement maigre qu'on voit juste son sourire des fois le, le, dans la nuit, tellement qu'il est maigre. Bon, alors, il y a plein de références comme ça. Quelqu'un qui a lu Les au des Merveilles il va avoir du fun, je pense, à avoir toutes les références. Mais en même temps, je ne voulais pas que ça devienne non plus... Un roman uniquement pour des étudiants qui font des, des études de littérature comparée ou des trucs de même. Je voulais aussi que ça soit le fun pour quelqu'un qui ne connaît rien d'Alice au pays des merveilles. Donc, c'était un peu de trouver l'équilibre entre les deux, entre les références, et les clins d'œil et l'histoire qui se tient debout elle-même. Parce qu'au bout du compte, Alice, ça raconte l'histoire d'une fille de 18 ans qui devient une adulte. C'est le passage, c'est roman initiatique dans le fond. C'est l'adolescente qui devient adulte et tout ce qu'il y a de douloureux là-dedans. D'exagérer dans mon cas. Je pense qu'on n'a pas, pas besoin de vivre tout ce qu'elle se vit pour devenir une adulte. Mais là, je vais montrer ça de manière plus extrême, plus, euh, euh, plus cartoon, en fait. Allez, on, on ouais. va en arriver au, au dessin euh, avant de dessiner. Mais il y, y avait quelque chose de profondément cartoon et de, 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 de théâtral, de baroque déjà dans le roman. Ouais. Tout à fait. Et là, Jake, toi, de ton côté, tu as lu ça peut-être il y a 20 ans. Et ça a été quoi ta, ta première lecture de l'œuvre? Et pourquoi tu y as vu vraiment un côté bande dessinée? Et en même temps, pourquoi avoir attendu, peut-être ou pas? Je ne sais pas ça a été quoi ton histoire ou ta relation par rapport au roman, mais raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu n'as pas lu ça il y a 20 ans, Jake, hein, je pense. Non, je, je l'ai lu après qu'on se soit rencontré en fait. Mais là, juste avant, je suis un peu inquiet, Pat, parce que je vois derrière toi, on dirait qu'il y a une silhouette dans l'ombre qui te regarde. Là, de ce côté-là, ou l'autre bord? bord? Oui, ben, On il y a. Oui. genre le Babadook qui est ah, là? Ah, oui, oui. c'est une reproduction de, de ma page couverture euh, d'un de mes romans, du roman fin, puis un personnage avec un chapeau de forme qui est un un directeur de cirque, puis c'est un tableau qui est... On voit, on voit juste un petit bout. J'ai une ambiance de, parfaite pour le travail dans mon bureau. Exact. Mmh. Parce que me mmh. semble que c'est un genre de cliché dans le, le style de film qui se passe sur Skype. Là, ouais, de ouais. Genre, Regarde derrière toi, derrière toi! Oui, c'est ça, c'est ça. Pour que le monde se fasse des idées, il y a des fantômes qui me surveillent. <laughs> euh, mais oui, c'est ça, l'histoire... Euh, pourquoi j'ai voulu faire ce vraiment là BD, c'est qu'en fait, euh, Patrick avait été invité à une discussion, un genre de questions-réponses après le visionnement de Sept jours du talion. Mm. Puis, euh, tu étais là z... sur le stage. Puis une une il y avait un hein? une dizaine d'années. Ouais, euh, de... ouais, puis euh, il y avait un projecteur sur le, le stage. Euh, pour projeter le film, mais pendant les questions-réponses, euh, il y avait quelqu'un à l'ordi qui allait chercher des éléments. fait que maintenant, Patrick faisait référence à quelque chose. La personne allait faire référence, allait voir une image pour projeter ça. Puis euh, là, à la toute fin, euh, l'animateur, euh, qui est euh, un de mes amis, Francis Ouellet, il dit euh, Bon, y a-tu quelqu'un qui, qui a une question à poser, mais qui s'empêche de la poser Puis finalement, j'ai demandé à Patrick. Euh, s'il était intéressé à adapter une de ses œuvres en BD, puis si oui, ça serait la quête. Puis pendant ce temps-là, euh, tu m'avais répondu, je pense même pas que tu avais répondu à Alice, je pense que tu avais parlé beaucoup du fait que tu euh, t'entendais beaucoup parler de ce médium-là. Mais que tu n'avais pas plongé dedans encore. Fait que là, mm. tu te faisais dire Je me, me suis fait recommander Sandman, je me suis fait recommander un paquet mm. d'affaires, mais je n'ai jamais pris le temps. Puis, tu sais, c'est un médium qui m'intrigue parce que je ne le connais pas tant. connais juste les classiques là, euh, de mon enfance, là, les de ces compagnies. Là. Ouais, Exactement. Ça. Puis, pendant ce temps-là, la personne à l'ordi est allée googler mon nom. Puis, elle a commencé à projeter mes dessins mm. <laughs> sur le projecteur. Mm. C'était super gênant. Parce ça. que là, j'avais l'air de, de vouloir me plugger. Puis en même temps, l'animateur Francis Ouellette qui me dit Bon, ben, Patrick, je te présente le plus grand dessinateur de BD du Québec. Puis tu sais, qu'il me fait une de pub. Puis là, j'étais je je super mal à l'aise. Mais Patrick a, a vu les dessins, puis il a fait hey, Ça ressemble à, à mon imaginaire en maudit, ça. Okay. Fait qu'on a échangé nos, nos infos après. Puis euh, c'est après ça que j'ai lu Alice. Fait que, en le lisant, j'étais déjà en train de le de visualiser, en fait. Euh, mais, je me disais, bon, ça va-tu fonctionner ou non? Puis, finalement, j'ai fait quelques sketchs. Je suis revenu avec ça. Puis, tout le monde était emballé. Euh, ça s'est passé super fluide. Je pense qu'on s'était revus d'un salon du livre. Ouais, à Montréal. Jean, puis, euh, je montrais mes sketchs. Puis, comme tout avait de l'air de s'aligner. puis... Là, ça a vraiment comment ça, ça se développait, puis c'était en train de devenir réel. Et on était rendu, je pense, à signer un contrat ou vraiment là, à s'embarquer dans l'aventure. Puis j'ai été euh, diagnostiqué euh, dépression euh, majeure. <laughs> fait qu'il a fallu que j'écrive le email <laughs> ouais. à l'agent, à l'éditeur, enfin Ouais, désolé, je ne peux pas travailler là-dessus fait que j'ai pris un break. Euh, Puis, euh, quelques années plus tard, c'est quelqu'un chez Alire euh, qui m'a contacté pour euh, faire une pochette de livres de Patrick. Puis là, on s'est revus d'un salon du livre. Puis là, on a recommencé à jaser. Puis là, c'est toi qui m'es arrivé avec... Tu sais, la BD, t'aimerais-tu encore ça, l'affaire? Puis ouais. moi, je n'osais même pas leur proposer parce que je suis dans la situation d'un gars qui a comme choqué... Puis là, je fais ben écoute euh, moi j'y je, je, pense depuis euh, fait ça faisait au moins 5-6 ans là, que j'y pensais fait que je suis revenu avec l'idée puis euh, Pat m'a super euh, backé. puis là là ça, ça, ça a déboulé rapidement là. on ouais, a ça. fait des sketchs on a fait une campagne de sociofinancement on a eu le montant qu'on voulait puis après ça c'était deux ans de ma vie euh, temps plein juste là-dessus mm -hmm. euh, puis, c'était assez incroyable. Là. Fait que c'était un projet qui a une belle histoire parce que pendant a failli un te, moment, le ça fait... Euh, oui, c'est ça, exactement. Ça a failli pour mourir. mourir, Mais mmh. moi, je me rappelle, tu dis que c'était la pochette de livre. Effectivement, c'était pour une pochette de, de mon roman Il y aura des, euh, il y aura des morts. Oui. Puis, euh, je voulais changer d'illustrateur chez Alé. Je voulais avoir un autre illustrateur. Puis, euh, mon histoire m'a dit Bien, as-tu des idées as Tu sais, ne me dérange pas tu veux changer d'illustrateur, mais. Puis ton nom m'est revenu dans la tête assez rapidement, Jake. Euh, on s'était revu une couple de fois par hasard dans d'autres occasions. Je me ben moi, tu te rappelles, Jean, de Jake, là, qu'on voulait faire Alice, là? Moi, je pense qu'il me ferait quelque chose de beau. Puis, by the way, <laughs> le projet Alice, que donc, on, ouais. on ranime tout ça, tu sais. Non seulement Jake a embarqué dans les villes de la couverture, ça, il tentait bien gros. Puis depuis ce temps-là, c'est lui qui fait mes couvertures de livres, c'est pas compliqué. Mais je me suis dit, en plus, ben, pourquoi pas ressusciter le projet d'Alice? Puis là, on s'en venait vers les 20 ans d'Alice. Jean, il a dit, c'est d'autant plus une bonne idée qu'Alice va avoir 20 ans en 2020. Fait que de souligner l'événement en sortant à Alice en BD, ça, ça pourrait être cool pour souligner les 20 ans d'Alice. Fait que tout s'est aligné, finalement, pour. Euh, tu sais, oui, ça, ça, a été, ça, ça a été mis en dessous du tapis pendant quelques années, mais je pense qu'il va sortir un moment euh, clé intéressant, finalement, au bout du c'est prévu normalement pour automne 2020, donc on va surveiller ça attentivement pour la sortie. Mais justement, vous avez parlé les deux, qu'il y a comme une espèce de connexion entre vos, vos deux travails, vos, la deux, la, votre façon chacun de votre côté de travailler la même histoire. Mais qu qu'est-ce qu que vous voyez de lien entre l'atmosphère d'Alice Patrick, d'abord, qu'est-ce que tu Imaginer, c'est quoi le visuel qui t'a interpellé chez Jake ou comment tu, tu as d'abord commencé à penser à comment on pourrait avoir une atmosphère visuelle dans cette espèce de, de, de station de métro parallèle, dans l'endroit où Alice se retrouve. Puis ensuite, de ton côté, Jake, comment tu as, as fait écho à ça Qu'est-ce qui t'a inspiré C'est quoi les premières choses que tu t'es imaginé pour représenter l'atmosphère dans Alice mais moi, je voyais... C'est quand j'ai vu les dessins de Jay, comme il disait tantôt la première fois, j'ai vu qu'il y avait une ambiance qui pouvait marcher, là. Quelque chose de... Oui, de, 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 de... Qui peut être très réaliste, mais en même temps, très crotté, très... Euh, très, très, très sale, très... Euh... Alice, ça peut pas se passer dans un monde trop propre, Tu sais, ça peut pas... Faut que ça soit éclaté, il faut que ça déborde, il faut que ça... Bon. Puis je voyais quelque chose d'assez sombre, mais... En... Puis... puis puis qu'il y avait de la place pour le baroque en même temps, qu'il y avait de la place pour l'exagération, le, 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 tout en restant dans, dans des personnages quand même réalistes. C'est pas du cartoon, c'est pas du... Euh, bon Mais qu'il y avait une place en même temps pour, pour euh, délirer là-dedans. Euh, ça, j'ai vu ça rapidement dans le genre de dessin que, que Jake faisait. Je suis pas un dessinateur, moi, mais je me disais « Crème, il me semble que Alice, ça pourrait ressembler grosso modo à ça. » Je voyais que des personnages d'Alice pouvaient ressembler à ça C est, c est, c est, c est cette ambiance-là et tout ça. Puis, euh, rapidement, il quand il a eu fini de lire, il m'a dit Oui, oui, je le vois, moi aussi, là, que je peux trouver des ambiances. Je comprends pourquoi tu penses que je peux faire ça, puis que moi aussi, je vois pourquoi je peux faire ça, parce que ça peut fonctionner. Le, le... Puis, en même temps, de ne pas quelque chose de trop esthétisant non plus. Le danger, je me rappelle d'avoir déjà parlé avec du monde d'Alice qui voulait faire un sim avec ça. Puis, il y en a deux ou trois qui nous sont arrivés en disant Il faudrait que ça ait un look comme Sin City. T'sais? Mm. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve que Sin City, c'est trop clean. Je veux mm. dire, Sin City a la prétention de montrer un. un, un... Puis je, resp... ben, je respecte ce film-là. Je trouve ça ordinaire, mais ça, ça a sa direction photo bien à, bien à elle. Je comprends. Le... Ça a un look, mais ça représente un monde sale et de vis, mais de manière propre en tabarnousse. C'est hyper clean. C'est ouais. léché au bout. Oui, l'univers de Sin City, mais plus crotté que ça. Puis je voyais que Jake pouvait aller là-dedans. Oui on, oui, on va aller là-dedans un peu, mais en même temps, on va être, ça, va être, ça, va être, ça va être plus sale que ça. Puis je voyais que, que, que Jake pouvait aller là-dedans sans me faire quelque chose de hyper, hyper clean. fait que voilà bon, Moi, c'est ça que je voyais déjà. Donc, très urbain aussi, le côté urbain qui mm -hmm. est très là. Que oui, on peut reconnaître Montréal, tout en sachant qu'on n'est pas à Montréal, tout à fait vraiment non plus. Euh, c'est tout ça que j'ai pitché à Jake. C'est tout ça qu'on qu s'entendait. Et là, je vais lui laisser dire la, la, la suite comment il y a eu ça. Ben moi, c'est juste incroyable parce que euh, tu après avoir fait Turbo Kid, euh, moi j'ai tout le temps été interpellé par le style d'horreur, euh, le genre de l'horreur. Mais en même temps, j'avais envie de faire quelque chose qui était plus atmosphérique, euh, qui était plus. Euh, je dis tout le temps vaporeux, mais un peu comme un rêve. T'sais, les deux, on a souvent parlé de David Lynch ensemble, oui. cette espèce mmh. d'atmosphère-là. Oui. Puis, euh, moi, je suis déménagé à Montréal il y a une dizaine d'années, puis je me suis retrouvé chez nous. C'est la ville qui est devenue chez nous. Je suis en amour avec cette ville-là. Euh, j'ai habité plusieurs quartiers à Montréal, fait que j'avais envie de dessiner une espèce d'histoire d'horreur, mais pas un slasher, pas un truc de zombie, pas un truc de quelque chose de plus proche du, du rêve cauchemardesque. J'ai tout le temps euh, aimé dessiner des personnages féminins. J'avais fait une grosse série de dessins au crayon de bois que j'avais mis sur Instagram, puis il y avait une belle réponse. Puis fait que là, j'étais comme j'ai envie de dessiner Montréal. J'ai envie de dessiner une histoire euh, un peu vaporeuse à la David Lynch, puis j'ai envie que ce soit un personnage féminin, le, le protagoniste. Puis Alice est arrivée en même temps, puis ça a fait, bon, oh, ben, c'est exactement tous les éléments que j'ai envie de faire. <laughs> tu sais, si j'avais eu à écrire euh, ma propre histoire, il y aurait eu ces trois points-là en commun. Fait quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, c'est incroyable, c'est exactement ça que je veux faire. Puis. Euh, je trouvais que c'était juste le timing parfait, puis exact. C'est ça. Oui, parce que quand on lit le livre, des fois, on a l'impression qu'Alice, peut-être qu'elle rêve, tu sais, ça nous a pris les moments où elle prend le téléphone et est en recontact avec ses parents parce que sinon, on a l'impression que c'est comme un peu flou. On est tu dans le réel, on est tu dans l'irréel, ça... Ça permet cette jonction entre les deux, oui, puis, entre les deux euh, dans, réalités. Dans, dans l'esprit des merveilles, en fait, c'est un rêve. Dans, dans, dans le conte de Lewis Carroll, à la fin, elle se réveille, elle s'est endormie au pied d'un du, 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 arbre, elle a rêvé de tout ça. Bon, Évidemment, il n'est pas question qu'on finisse en disant que ce n'est qu'un rêve, parce que ça, c'est la pire fin pour un roman maintenant. Mais oui, je voulais garder cette ambiance-là. Puis oui, ça se peut que... Tu sais, parti combien de temps? Ça demeure flou, tout ça, il y a quelque chose dans... Bon, euh, puis tu sais, un peu... Il ne bon, faut pas dire la fin non plus pour ceux qui n'ont pas lu le roman et tout ça, mais il y a un élément de la fin où on pourrait dire Ah, peut-être qu'elle a imaginé tout ça, mais il y a un petit élément qui arrive à la fin, puis Ah, non, finalement. Mm -hmm. Fait que mm -hmm. euh, oui, je, oui, on voulait la garder, cette ambiance onirique-là, euh, qui, qui, qui euh, Parce que c'est tellement over the top, c'est tellement exagéré qu'on euh, peut se dire Voyons, ça ne se peut pas, elle n'a pas pu vivre ça. Mais en même temps, on est dans la tête d'une fille de 18 ans qui, à cet âge-là, tout est over the top. Tout, tout, tout est plus grand que nature. Les ados, c'est ça. Hein? Dire, les émotions, c'est à fond la caisse. Euh, le party, c'est à fond la caisse. La souffrance, ils souffrent à fond la caisse. Euh, c'est toujours... C'est très romantique, hein, c un adolescent. Romantique pas dans le sens uniquement de... Romantique amour, mais romantique dans le sens littéraire. C'est-à-dire que les émotions sont à fleur de peau, peu importe lesquelles. C'est toujours très, très, très... Euh, c'est ça, c'est toujours très dense, c'est toujours très intense. Fait que, oui, on voulait garder cette ambiance-là, qui peut rappeler effectivement euh, quelque chose euh, du cauchemar, comme disait si bien Jake, là, une, une ambiance de cauchemar un peu. Ouais. Mm -hmm. Il y a souvent, tu dans les rêves, un, un élément qui n'a vraiment pas rapport. c'est juste quand on est réveillé qu'on se rend compte que, « Ah oui, mais je te chenille, mais je te donne grange. » hein, ce, ce genre de... de, de tu sais, ça, ça discorde un peu, là. Puis j'ai essayé de faire ça aussi visuellement dans BD. Il y a souvent des éléments que tu fais comme, hey, j'ai tout bien vu, il y avait tout ça. Puis ça aussi, c'était dans le roman. Tu sais, je pense juste à un exemple où elle se promène dans la rue, puis un auto qui passe, puis c'est un espèce de clown machiavélique qui, qui conduit l'auto. C'est jamais, ouais. tu sais, on n'en parle bien. jamais, ça ne revient bien. pas, c'est juste, ça fait partie du quartier. Puis tu sais, si vous avez remarqué dans les pages de BD, les piétons sont super weird. Tu sais, il va y avoir un. Est-ce que oui, tu as créé que... une, une gradation, Jake? Parce que dans le roman, il y a une gradation. Ouais. Euh, plus ça avance, plus c'est weird, puis ouais. plus elle arrête de se poser des questions, puis elle l'accepte. Comment tu as réussi à créer ça de ton côté visuellement? Bien, il y avait beaucoup d'étapes, mais ça, c'est sûr que c'était planifié dès le départ, puis aussi sa transformation physique, même. Mm -hmm. euh, elle commence vraiment cute et en santé, puis elle finit. Tu as envie d'aller la chercher, là. elle ne cerné plus bien cernée, elle est maigre, elle a perdu du poids. Puis même dans mon découpage, au début, j'ai pensé avec la couleur. J'étais comme... Parce qu'au départ, moi, je voulais faire une BD de noir et blanc avec du rouge. Puis ça a fort d'en parler avec beaucoup... Avec les éditeurs, avec Patrick, on s'est dit, « Regarde, je pense qu'on va y aller full couleur, mais ça va rester des teintes. » Sauf que l'idée du noir et blanc et rouge m'est restée dans la tête. Donc, si tu, tu fais juste la feuilleté, il y, 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 y a une évolution là-dedans que ça commence très terme. Euh, beaucoup de blanc, ça devient de plus en plus noir et blanc, sale, puis plus on avance, plus il y a des touches de rouge qui arrivent. T'sais, au début, c'est juste les portes du palais, puis après ça, c'est des éléments qui sont rouges, puis à la fin, c'est presque juste des pages rouges, hein, parce qu'elle hey, est dans le palais, puis tout ce qu'elle hallucine avec la, la drogue qu'elle prend. Fait que c'est... Euh, c'est d'utiliser la couleur pour comme, créer une évolution, puis avoir l'impression... Il y a la révélation aussi, euh, la, la couleur, que, que, qui est... ça, c'est tout Jake qui a pensé à ça, ces éléments-là. Puis je trouvais que c'est une moitié bonne idée parce qu'effectivement, Alice, plus ça va, plus elle doit se rendre au bout d'elle-même, se rendre au bout d'une. Dans le fond, c'est qu'il faut qu'elle découvre qui elle est, tu sais. Mm -hmm. Et elle, elle, elle va jusqu'au bout de ça et la couleur devient de plus en plus saisissante, comme si elle était de plus en plus aveuglée, de plus en plus. Elle a de plus en plus d'en face qui elle est, puis elle, elle va refuser de le voir, mais jusqu'à la fin où, que, bon, elle. Ça va, ça va y sauter d'en face, littéralement, là, qui elle est, puis elle n'aura plus le choix d'accepter son destin, finalement, ou ce qu'elle est. Fait qu Effectivement, l'ambiance, de, de, les couleurs, la, la manière que c'est gradué, tout ça, que c est, c est, c est, ça marche euh, très, très, très bien. Puis ça marche aussi avec l'idée, comme, comme Jake disait, qu'elle est de plus en plus euh, junkie, elle est de plus en plus euh, stone, fait elle est de plus en plus perdue dans la drogue. Puis tu dis, elle se pose de moins en moins de questions. Puis je suis assez d'accord avec ça parce que... Le seul moyen qu'elle accepte de rester à c'est qu'il faut qu'elle que, faut qu assume où est-ce qu'elle est. Puis je pense que ça, on, on le sent bien dans la BD. Juste de comparer les premières pages et les dernières pages, Là, il y a, il y a... oui, c'est le même style, on s'entend. Il faut que ce soit le même style, c'est la même fille et tout ça. Mais on, on, on voit que c'est passé quelque chose entre les deux. Puis ça, ça quelque chose-là, il, euh, il est très bien montré dans l'évolution des, des, des pages. Hmm. Ça m'a même surpris parce que euh, dans les, les premières pages de la BD, quand elle arrive à la station de métro, elle voit une fille au bord de, de la, de la, de la, des rails. Puis c'est une fille qui est super maigre, les cheveux d'en face, la robe déchirée, elle, on, on dirait qu'elle a saigné. Puis c'est elle. T'sais. Puis là, j'étais comme hey, je vais-tu être capable de me rendre. De là à là. Puis naturellement, jusqu'à temps qu'elle ait de l'air de ça. Puis <laughs> ouais. elle a vraiment de l'air de ça. C est, c est... Fait que je pense que ça va être le fun aussi à relire. T'sais. Quand tu vas l'avoir lu, une fois, tu vas checker au début, tu vas faire, Oh shit, OK, on est parti de là. De là. Mmh, tellement. Que vous avez, en passant, je fais un coucou à nos euh, auditrices et auditeurs. Si vous avez des questions pour Patrick ou Jake, gênez-vous pas, écrivez-nous. On va pouvoir les poser directement. Que vous avez lu, lisez-vous pas. C'est intéressant de pouvoir jaser euh, au niveau de l'adaptation. Euh, c'est pas un livre qui est évident. Il y a beaucoup d'éléments qui sont... Bien, je veux pas dire un livre évident, là, mais je veux dire, un... parfois, ça peut euh, choquer parce qu'il y a beaucoup de sexualité, il y a de la violence, euh, il y a de la drogue, on l'a mentionné, avec les micro-macros. <coughs> euh, tous ces éléments-là, d'abord, Patrick, est-ce que tu t'es posé la question, « Bon, oui, mais si je l'adapte, comment je vais faire pour pas que ça tombe dans le grossier? » Comment je vais faire pour, pour empêcher que les que ça choque justement. Puis ensuite, Jake, de ton côté, comment tu as pris la balle au bon? Puis comment tu as travaillé ces scènes plus difficiles aussi? Super ben, que bonne question. Que, 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 que ça choque, ou... moi, moi je n'ai pas posé la question si ça va choquer le monde ou non. Ça, ça, euh, ça c'est aux gens à être choqués ou à pas être choqués selon leur sensibilité. Mais moi, comme créateur, c'est sûr que <coughs> je, me, je me suis posé la question. En fait, il y a un piège dans ce genre d'histoire-là. Puis il l'avait dans le roman, puis il l'avait dans la BD aussi, c'est-à-dire, oui, j'allais au the de top, je voulais que tout soit que tout soit gros, le sexe, la violence et tout ça, mais que ça reste, qu'on l'accepte parce que l'ambiance cartoon et l'ambiance over the top, encore une fois, je n'arrive pas à dire ça, c'est un peu fatigant, que l'ambiance baroque euh, fasse qu'on accepte ça, l'ambiance compte sur l'acide, sur fasse qu'on accepte ça. Puis je sais que le roman a beaucoup marché pour cette, cette, cette qualité. Dans un roman hyper réaliste, toute cette violence-là, tout ce sexe-là, n'aurait pas pu fonctionner. Dans l'histoire, je pense que ça fonctionne. Mais quand on a dit faut qu'on va faire une BD avec ça, c'est sûr que je me suis dit, bon, je pas parlé à Jake dès le début, j'ai dit, les gens vont s'attendre à ce que les scènes sexuelles soient là, la violence soit là, mais en même temps, il faut faire attention, si on a l'air juste à triper à cause de ça, si on a de l'air à juste faire une BD parce qu'on va dire, regardez comment on n'est pas gêné de montrer du cul, regardez comment on n'est pas gêné de montrer euh, de la violence, bien là, ça va être de la complaisance, comme ça peut être dans un roman. Et Jake a tellement compris ça, il a tellement compris cet aspect-là. Même au début, il y a des scènes de sexe dans le roman qui étaient plus explicites. Dans le roman, il y met un peu mollo, il dit Allons-y tranquillement, Patrick. J'ai pas le goût que la première fois qu'à baise, on voit tout au complet tout de suite. Allons-y, allons-y par, par étape. » Puis euh, il avait tout à fait raison. De, 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 là, c'est de l'image, La BD, c'est de l'image. Fait que si on révèle tout dès le début, euh, on peut se brûler, puis là, ça peut devenir complaisant. Fait que, il faisait attention à ça. Il me posait des fois des questions. Il dit Bon, il est là dans l'orgie, là, parce qu'il y a une méga partout de amis, il dit « Oui, il faut en montrer beaucoup, mais il ne faut pas qu'on ait de l'air non plus euh, des, 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 des petits ados qui tripent de montrer euh, des scènes de sexe. » Fait que faut, faut balancer ça. Fait que il a été très, très, très sensible à ça. Puis euh, ça, je trouve ça cool parce que c'est le genre de projet, justement, que ça aurait pu... En fait, c'est là que j'ai compris que j'avais poigné le bon dessinateur. C'est que j'avais poigné un dessinateur qui aurait fait « Ouais, j'ai assez hâte de faire toutes les scènes de cul partout. » Puis ça revole. Puis... Oui, il y avait hâte, mais comme il dit... C'est pas juste ça, Alice. Là. C est, c est, ouais. Si on résume à Alice à ça, on passe à côté aussi. Fait que euh, Je trouve qu'il a très bien compris cette, euh, cette balance-là. Mais c'est sûr qu'on va loin. Il n'y a, y a, a pas de doute là-dessus. Là. Il y avait des matins bizarres. <laughs> Dans la création? Mon... <laughs> Quand je me faisais mon café, je me disais OK, c'est ça qu'on décide aujourd'hui. OK, let's go. C'est un réveil rough. Mais euh, je trouve que c'est une super bonne question, Catherine, parce que euh, moi, je me l'ai demandé, c'est où la limite dans la censure? Parce que dès le départ, on a décidé de rien censurer. Puis après ça, je te mais mais c'est pas tellement de la censure comme... Que... Je vais donner un exemple. Il y a rien qui me frustre plus dans un film quand il y a quelque chose d'atroce qui est montré, puis c'est supposé être atroce, mais que c'est montré comme cool, en game, ouais, euh, Quand il y a, un, mettons, un, un viol d'un personnage, mais que c'est des slow motion, que la caméra est super belle, que la fille est super chics, puis tu ça, pour moi, c'est euh, quelque chose qui, qui s'appelle le male gaze, c'est-à-dire de, de regarder à travers les yeux d'un homme, euh, comme euh, le, le désir, tu ça, c'était quelque chose que j'étais comme, si on tombe là-dedans, là, on se plante, parce que il y a beaucoup de sexualité, mais le spectre est tellement large, fait qu'il y a de la sexualité le fun, il y a de la sexualité timide, mais il y a aussi énormément de violence sexuelle. J'étais comme OK, comment on fait pour montrer ça sans que ce soit je sais pas comment le dire. Ben complaisant. Oui, exact. C'est ça le mot que je cherche. Faut pas que ce soit cool, en fait. Puis, euh, je me suis rendu compte qu'en dessin, euh, de, de, de voir euh, de la sexualité, c'est pas tellement. Vu que c'est un dessin, le cerveau est capable de se de, de, de détacher. Mais, bizarrement, si tu montres une main qui touche, là, notre cerveau fait un autre lien, puis on s'imagine que c'est nous la main qui touche. Mm. Fait que, tu sais, pour les bouts de sexualité, le fun, il y a des mains partout, t'sais. Mais aussitôt qu'on est dans la sexualité, dans la violence, j'avais pas envie de, 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 de rendre ça cute ou de rendre ça genre, ah, mais la fille elle, elle est quand même hot ou whatever. Mm -hmm. Fait que c'est beaucoup plus dans la, la suggestion. Mm -hmm. Puis il y avait une scène, euh, c'est drôle parce que ma, ma blonde, est metteur en scène, puis elle a fait une, une pièce de théâtre sur le consentement sexuel. Puis il puis, y, y a une journée qu'on était ensemble en train de faire la vaisselle, puis j'étais comme, j'ai une scène de viol à dessiner. Comment je fais ça? Tu sais. Les ont... Jake, je me permets, justement, parce que tu es directement dans le sujet d'Audrey, oui. une question d'Audrey, une auditrice en ce moment qui demande si tu as eu du mal à dessiner au niveau psychologique. Tu parles de ce dessin-là en particulier. Oui. À quel point c'est venu jouer dans ta tête? C'est foqué, mais je l'ai senti. Euh, tu sais, Ça reste un travail quand même, ça qu'on est capable de, de décrocher, mais. Euh... T'sais, vous vous n'importe quel dessinateur quand on dessine une émotion, on est dans cette émotion-là. Euh, fait que de, de dessiner, euh, il y a quelques scènes que je te comment je le traite euh, pour que ça l'information passe, mais sans trop, euh, sans trop jouer comme rester dans cette émotion-là. Il euh, y, y a une scène, comme j'ai décidé de juste focusser sur le regard. Pendant qu'il se passe quelque chose d'atroce, ça va être juste le regard qu'on va suivre. Yeah. Donc, la suggestion yeah. est là, on comprend qu'est-ce qui se passe quand même, mais on n'est pas dans la, la complaisance, puis dans le montrer tout ça. Puis je trouvais que ça, ça aurait peut-être été de mauvais goût, justement. Oui, puis mmh. moi, j'ai ai pensé aussi quand bon, on est en 2020, n'est-ce pas? Avec tout ce qui s'est passé, avec toute l'évolution qu'il y a eu des dernières années. Moi, j'ai écrit ça en l'an 2000. J'étais 20, 20 ans plus jeune. Puis je me suis posé la question ça marchait encore ce roman? Y a-t-il des choses dans ce roman-là qu'aujourd'hui, qu je ferais, hmm, je ne suis pas sûr que je ça autant. Là, parce que, bon... Il euh... y, y a des personnages qui s'appellent Le Noir, puis y a, y a, il y, y a des trucs que ça n'aurait peut-être pas passé autant ouais, ça. cette année. Oui, c'est vrai. Puis j'ai demandé, il y a une de mes amies, une amie, une écrivaine féministe en plus, qui est féministe elle-même, qui est très féministe. Puis Elle l'a lu il n'y a pas longtemps, puis j'ai demandé, qu'est-ce que tu en penses? Tu me suggères-tu, y tu des bouts qui t'ont choqué, des qui t'as fait ah ça c'est macho, whatever. Elle dit non, non, elle dit, moi elle dit, je trouve que ça marche. Elle dit je pense que elle dit il n'y a pas de. tu n'a pas être gêné. Bon, il y a peut-être des petites affaires, là, oui, mais elle dit, on est dans le détail Elle dit c'est... Ce qui arrive à Alice là-dedans, tout ça, tout est justifié. Ce n'est pas, pas un regard d'homme macho qui profite d'une fille faible pour. C'est pas ça du tout. Fait que ça, j'étais content. Fait que je me suis dit, bon, OK, on peut. Ça marche encore. Il s'agit juste de savoir comment on, on le montre maintenant. T'sais. Bon. Puis ben, Jake était tellement sensibilisé à ça. Je me rappelle, il m'avait appelé, puis bon, il y a une scène de viol à un moment donné, puis il dit euh... Puis en passant, parce qu'il nous écoute, il n'y a pas 20 viols dans ce dans BD-là, là. je veux dire, il y en a. Il y, a, il y a un début d'agression qui est arrêté vite, puis une scène de viol, mais cette scène de viol-là, justement, Jake m'appelle et dit Moi, je ne veux pas qu'on voit ça. Moi, je ne veux pas dessiner ça. Je ne veux pas qu'on voit la fille en train de se faire violer. Je ne trouve pas ça intéressant de dessiner ça. Je lui dis, t as, t as raison, Jake, j'ai aucun problème avec ça. Je lui dis, je te fais confiance. Euh, Vas-y. Euh, je pense qu'elle aurait été bien malheureuse si j'avais dit non, 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 moi, euh, ah, ouais, euh, jeu, là, là, je pense y aurait eu euh, je pense que ça a été euh, euh, il s'est passé quelque chose. Ouais, mais ben... mais tu sais, Jake lui-même en fait j'ai pas le goût de dessiner ça as Tu As-tu le goût qu'on voit ça, toi? Je dis non, pas du tout, pas du tout. Je dis, j'ai aucun problème avec ça, je te fais confiance. Fait que même si c'était écrit il y a 20 ans, même s'il si y a des bouts je pense quand même que ça on s'est rendu compte que c'est encore adaptable aujourd'hui, avec euh, en faisant attention sur certains points, peut-être, mais euh, ça, ça, ça marche encore. Puis euh, Jake a eu la sensibilité de faire attention à ça. Il y a des bouts que c'est. Pour euh, revenir à la question d'Audrey, il y a des bouts que c'est de la violence, le fun. C'est cartoon, ça reste ouais. dans, le, de, dans le rêve. Cher et bonne. cher et c'est ça, ouais. Gros gore, c'est pas ces moments-là que je t'ai percuté, mais tu sais, il y a des moments que c'était comme tough. Puis justement, je disais, tu sais, des matins bizarres là, avec ton café que t'es comme. Ok, là, vis ça, parce que tu sais, je veux, veux pas, tu passes ton temps à penser comme ce personnage-là, à dessiner sa, sa gestuelle, puis au fur et à mesure, ça devient une partie de toi, ça devient euh, une amie, ça devient ma blonde, ça devient... Comme... Fait que de tout le temps être là-dedans, puis là, de l'avoir traversé, le downward spiral, d'aller de plus en plus loin dans l'enfer, il y, y avait des moments que c'était comme tough. J'écoutais des trucs plus légers. Mmh, <laughs> C'est C'est film euh, c'est intéressant, <laughs> Jake, Petit parce comédie. que tantôt, euh, tu as dit, euh, as dit je me suis, je, ben en fait, c'est Patrick, parce que as, tu nous as dit que Jake a mis la limite. Moi, je ne veux, euh, veux pas dessiner cette scène-là. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans votre processus créatif où l'un et l'autre ont mis des limites dans l'adaptation? Ce n'est pas obligé d'être par rapport aux aspects plus, euh, plus sexuels, plus, disons, tabous. Est-ce qu'il y a d'autres, de tout acabit, d'autres limites que vous mm. êtes mis? Ben, les, les, les seules limites qu'on s'est mises, c'était des limites de, 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 de quantité, en fait. C'était ouais. qu'à un moment donné, c'est Jake qui m'a fait comprendre, moi, la, la première, le premier jet que j'ai envoyé, il était beaucoup trop long euh, du, du scénario. <coughs> puis il m'a dit Il y a un personnage Patrick, que je pense qu'on devrait laisser tomber puis il dit ça va te crever le cœur sans doute là. mais c'est le personnage d'Andromaque. Parce que oui, je comprends qu'elle amène quelque chose dans le roman qui est le fun, oui, c'est un beau personnage, mais narrativement, pour l'histoire principale, pour l'évolution d'Alice, elle n'est pas si nécessaire que ça. Fait qu'elle est encore là un peu, je dis à Jake, elle peut pas disparaître complètement, Jake, parce que les lecteurs vont, être en, vont, vont, vont me tuer. Mais elle est là, mais plus en background. Elle est pas aussi importante qu'elle était dans le roman. Et ça, on n'avait pas le choix. On se rajoutait 75 pages juste avec ce personnage-là. -là, c'est pas compliqué là. Alors, euh, c'est vrai que c'est pas la même si elle bien le fun dans le roman, même si ce qui reste d'elle dans la bande dessinée, elle est le fun aussi. On ne pouvait pas y accorder la même importance narrative qu'elle avait dans, 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 le, dans le roman. Fait que ça, c'est surtout ça. Il y a peut-être bon, d'autres, il y a d'autres tu sais, personnages aussi secondaires qui sont pas aussi importants dans le roman, mais franchement, je pense que toute l'essence est là. Mais la seule, les seules limites qu'on s'est données, à part justement jusqu'où qu'on va dans les scènes violences sexuelles pour, pour être pour pas être de mauvais goût et tout ça, euh, c'est vraiment des, des limites euh, de quantité. Je pense que c'était. Jake, je ne sais pas si je me trompe. Il ouais. n'y a pas, tôt, pas trop de ouais. scènes importantes qui ont été coupées. Là. Une question d'Audrey, euh, une auditrice en ce ça, moment. Ça, pas trop de scènes importantes coupées. Ça, c'est des <laughs> questions que tous les, tous les, 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 les lecteurs, mes lecteurs et me demandent dans les salons du livre. Là, vous n'allez pas trop couper. Je sais, je sais à quoi ils pensent quand ils disent ça. Ils pensent justement aux scènes hard parce que ce qu'ils veulent, c'est revoir les scènes hard. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime d'aller c'est le côté hard. Fait que je les rassure. Non, le, le côté hard est encore là. Maintenant, est-ce qu'il va être exactement comme vous l'imaginez? Sans doute que non. parce que à chaque fois qu'on adapte un film, un livre en film ou en BD, tout le monde qui a lu le, le roman se fait sa propre, son propre film, sa propre BD. Alors, ils ne peuvent pas retrouver exactement ce qu'ils ont, qu ont, qu ont imaginé. Fait qu'il faut qu'il qu y ait la liberté de dire « Voyons l'imaginaire de quelqu'un d'autre à travers cette histoire-là. » Mais je ne pense pas qu'ils vont pouvoir dire que ça a été trahi. Je ne hmm. pense pas qu'ils vont sentir « Ah, ça ce sont sont Je ne pense non. pas qu'ils peuvent dire ça. Franchement, là, ça serait un peu de mauvaise foi. Parce que c'est sûr qu'on a mis là-dedans bien plus d'affaires qu'on aurait pu mettre dans un film, par exemple. On, on avait une liberté beaucoup plus grande. Mmh. Jake, ça t'a-tu donné une pression, ce, ce, ce fait que les lecteurs et lectrices euh, étaient fans autant que ça? Euh, une pression positive, mais c'est vrai que pendant que je travaillais dessus, à peu près tout le monde que j'ai rencontré dans ma vie. <laughs> M'ont dit qu'ils avaient lu Alice. Ça n'avait pas de bon sens. J'allais d'un party, euh, je rencontrais du monde, me présentais Ah, tu fais de la BD, sur quoi tu travailles euh, sur Alice Ce roman-là, je l'ai lu quand j'étais ado, ça a changé ma vie. Tout le monde. Tout le monde. T'sais, tellement qu'à un moment donné, il fallait que, un peu que je m'empêche de commenter parce que j'avais envie de dire que tu ouais, t'es pas spécial. Là. Tout le monde l'a lu, ce roman-là. Mais mmh. ça m'a fait rendre compte quand même que ça avait marqué le Québec. Ça a marqué. T'sais, même plusieurs générations, parce qu'il y a des gens de mon âge qui l'ont lu, mais il y a des jeunes aussi qui l'ont lu, qui sont rendus peut-être aujourd'hui comme dans vingtaine, mais qui l'ont lu très jeune. Fait que, trop trop fait, jeune que... des fois, mais bon. ça. Ouais, ben, bon. Justement, on a Caroline qui nous demande ça s'adresse à qui, euh, ce, cette bande dessinée Est-ce qu'on pourrait la mettre tout âge ou. Moi, j'aime bien l'expression « pour public mature » parce que mmh, tu peux mmh. être mature à 12 ans, <laughs> puis tu peux Absolument. comprendre que c'est une BD, puis que c'est une histoire, puis que c'est pas vrai, puis euh, tu peux être aussi très cave à 50 ans, puis faire une plainte, puis euh, qu'on se ramasse en procès pour euh, grossir à indécence. Fait que « pour public mature », moi, je dirais que c'est le, le meilleur « target ». Mais Très intéressant. Oui, c'est oh, clair que ce n'est pas, pas, pas de la littérature, ce n'est pas de la BD jeunesse, mais ça me semble absurde de mettre un âge, moi aussi, là-dessus, euh, comme on me demande sur le roman, souvent à quel âge qu on peut lire Alice. Je ne sais pas, ça dépend de la maturité de chaque personne, ça dépend de. C est, c est, mais moi, j'aime bien, moi aussi, un public mature. Euh, voilà. mm. euh, le fait que Alice au Pays des Merveilles, ça a tellement été adapté, le, on, le sujet de nos conversations, c'est beaucoup l'adaptation. On parlait de pression tout à l'heure. Est-ce que ça, est ça l'aide ou, au contraire, ça nuit? Parce qu'il y a toute une iconographie visuelle autour d'Alice au Pays des Merveilles. Le livre est rempli aussi de stéréotypes euh, de tout genre qui sont liés avec Alice au Pays des Merveilles. Ça, comment tu as travaillé ça, Jake? Jake? Um... C'est drôle parce que qu'il euh, est sorti un jeu vidéo comme Super Dark d'Alice, ouais. mais c'est très ouais. fantastique. Puis aussitôt que j'ai vu ça, j'ai fait Ah oh, yes, c'est cool parce qu'on n'est tellement pas là. Mm. Moi, j'ai dessiné une fille dans Schlaga. Je sais que c'est n'est pas Schlaga le quartier, mais c'était ça mon inspiration. Puis c'était Montréal. Fait. On n'est pas allé dans... Si tu la feuillettes, tu vas juste voir une fille dans un, un, un environnement urbain euh, un peu sale, mais tu ne vas pas voir de... Je de, n'ai de, 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 pas d'exemple, mais il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de couleurs, flash. Pas, euh, ça n'a pas l'air d'une BD fantastique. C'est vraiment plus un ton... Euh, en anglais, on dit « tone down ». Fait que c'est dans l'émotion que c'est intense. Puis évidemment, plus le crescendo avance, plus c'est intense. dans Mais tu sais, euh, ça n'a pas de l'air d'une BD fantastique. Fait de suite, j'étais content parce qu'on s'éloignait de tous les clichés qui ont été repris dans Alice au Pays des Merveilles. Puis en plus, il y a eu l'adaptation de Tim Burton. Puis euh, mm -hmm. ça, ça, ça ressemble à rien de tout ça. T'sais. Fait que à la limite, tu pourrais quasiment appeler ça euh, Caroline. Mm -hmm. <laughs> Puis, pas mmh. voir le lien. Tu, tu, tu le ferais par toi-même, mais ce n'est pas explicite. Patrick, est-ce que c'était un désir de s'éloigner un petit peu de, de l'œuvre initiale au point de ne pas reconnaître les personnages ou non, moi, de laisser moi, des je, indices? Non, non, non. Moi, je voulais que ceux qui, qui connaissent Alice Merveilles ils la reconnaissent tout le temps. Mais comme je l'ai dit au début, je voulais, je voulais en même temps que ce ne soit pas pas grave. Là. Je voulais pas que quelqu'un qui ne sait pas c'est qui Alice et des Merveilles, je voulais pas qu'il lise ça et qu'il se dise. Voyons, j'ai l'impression qu'on fait référence à des affaires que je ne comprends pas. Ça, ça, ouais, ouais. Été un, ça a été un grand problème. Mais je voulais aussi que ceux qui connaissent Alice c'est Puis des Merveilles. Écoute, j'ai même mis plein d'éléments de, de, que juste ceux qui ont étudié la vie de Lewis Carroll peuvent comprendre. Là. Parce que, bon, c'est euh, que, que Charles, dans le fond, c'est le vrai nom de Lewis Carroll, le personnage euh, dans mon roman puis dans BD. Est-ce qu'il y a des aspects pédophiliques qui bégayent parce que le vrai Lewis Carroll bégayait avec les enfants? Bon, euh, bégayait mmh. avec les gens, mais pas avec les enfants. Mais ça, il faut commencer avec spécialiste en maudit pour voir ces affaires-là. Mais quelqu'un qui ne le sait pas, ce n'est pas grave. Mais moi aussi, j'avais cette pression-là de dire, bon, il y a eu tellement d'adaptations d'Alice dupé des merveilles, que, pourquoi, Patrick Sonical, tu ne pas faire une autre version Qu'est-ce qu -ce que c'est que je me suis fait une version que, en, tout cas, en toute humilité, que moi, j'avais jamais vu nulle part, euh, pas être que ça existe, on n'invente plus rien, là, mais j'avais pas vu quelque chose qui ressemblait à ça par rapport à Alice dupé des merveilles. À partir de là, je pouvais juste espérer que ce soit le cas. Euh, mais bon. Euh, je pense que quand tu racontes quelque chose que tu as vraiment, vraiment envie de raconter, à ta manière, à toi, avec tes idées à toi, je pense que par la force des choses, tu es toujours un peu original malgré tout. Mais c'est sûr qu'il y a eu tellement d'influence de « L'île pays des merveilles », elle a tellement influencé d'autres œuvres que c'était risqué. Je me suis posé la question moi aussi quand le jeu vidéo est sorti. J'ai fait « Ah non, ah non, ah non, ah non. » mais finalement, c'est vrai que ça va ailleurs. C'est pas... oui, il faut faire attention à ça, Je ne sais même pas si on est d'accord, Pat, là-dessus, mais... Moi, j'ai tout le temps pensé que il euh, y, y, y a une différence entre le concept et l'exécution. Mm. Puis tu peux avoir un concept super poche et faire une exécution magistrale, et vice versa, tu peux avoir un, un super bon concept puis le traiter euh, ah oui? moyennement. Mais tu sais, mm. je pense pas que euh, l'originalité, c'est comme euh, on parle de, de cliché. Mais je te donne un exemple. Imaginons que Blanche Neige, finalement, c'est la méchante. Quelqu'un pourrait faire genre Ah, c'est pas un bon concept. Mais quelqu'un d'autre pourrait le traiter, puis ça serait un chef-d'œuvre. Tu sais. Oui, oh, oui. Fait oh, que ouais, okay. je pense que tu sais, de, de, de juger la BD ou le roman de, de, de Patrick basé sur le concept, c'est un peu une erreur parce que c'est dans l'exécution que c'est bien fait. Et c'est pour ça qu'on annonce nulle part non plus dans le roman, dans le résumé, euh, que c'est une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. On voulait pas aller là-dedans. C'est un, un, un clin d'œil pour ceux qui le reconnaissent, c'est tout. Mais il n'était pas question qu'on présente le roman comme voici une adaptation d'Alice et des merveilles c est, c est... Parce que le concept, justement, aurait pu prendre toute la place. Les gens avaient pu juger à partir du concept, comme tu dis. Ou, euh... Fait que laissons juste. Oui, c'est une œuvre qui est inspirée de mais. Euh... Tu sais, les, les frères Cohen ont fait un film qui s'appelle The Man Who Wasn't There, qui est clairement une inspiration de L'étranger de Camus, euh... mais c'est écrit nulle part. C'est pas. Euh c'est pas, pas là, là même si c'est clairement une inspiration. Fait qu'on voulait pas jouer là-dessus, on voulait pas faire de la pub là-dessus, mais le monde s'en est parlé, évidemment, tout le monde s'en parle, tout le monde se le dit, fait que là, les, les gens le savent, là, en général, que c'est ça. Mais non, le but, c'est pas de présenter ça comme ça. Comme, le, 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 le concept, c'est ça, mais l'exécution euh, amène ailleurs que juste le concept. En fait, il faut que l'exécution dépasse le concept. Je sais pas si c'est là que tu veux aller un peu avec ça, Jake, mais... Mm. Moi, pour moi, c'est bien beau, le concept, là. On fait une adaptation trash des Jouppées des Merveilles. Mais si on s'arrête à ça, ce n'est pas intéressant. Il faut, 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 faut qu'on propose autre chose au-delà du concept. Puis cette autre chose-là, ça va être dans l'exécution, effectivement. Mais tout à fait. L'inspiration est permise aussi dans, dans tout domaine artistique. Oui. Mais Jake, justement, on a une question oui. de Louis par rapport à l'inspiration. Étant donné que les personnages, parfois, ils sont très typés, on les reconnaît comme le méchant ou comme l'aide ou comme le support. Ou ils ont toutes une caractéristique particulière. Euh, Louis nous demande si tu as été euh, influencé par des ressemblances d'amis, de, de famille pour certains personnages. Comme il, il mentionne euh, Cher, Bon ou Pouf. Est-ce que, est que tu t'es inspiré d'amis <laughs> pour les ressemblances physiques? Euh, pour les personnages principaux, non parce que je voulais me fier à... Euh, ben en fait, je les ai créés, mais basés sur les, les personnages de Patrick. Mais oui, il y a beaucoup de caméos d'amis. <laughs> mm. mes, mes, mes amis sont toutes là. Euh, moi, je suis là quelquefois, Je suis tout le temps au bar. Euh, <laughs> je regarde Alice boire une bière. Puis, quand même. puis euh, on a même, dans la campagne de, de sociofinancement... Euh, fait, fait cet exercice-là, des gens pouvaient s'inscrire pour être eux-mêmes dans la BD. Fait que ça aussi, c'est intéressant là, de... Il y a des gens qui vont faire partie de la BD. Évidemment, ouais. c'est plus des figurants, là, si jamais des, des personnages euh, importants qui. Mais il y en a quelques-uns qui, qui ont une coupe de lignes de dialogue. Mais euh, oui, je me suis inspiré de, de, de plein de monde. Pour, euh... Hmm. Ben, c'est parfait, tant mieux, on ouais. va peut-être réussir à les découvrir euh, tranquillement. Il nous reste quelques Tout, minutes à la conversation. Tous les amis, tous les oui, amis vont, vont se chercher dans la BD, là. ça va être bon. <laughs> Il nous reste quelques minutes à la conversation, étant donné que notre thématique, c'est vraiment l'adaptation. Tous les deux, Patrick Sénécal et Jake Dion, vous avez travaillé l'adaptation sur plusieurs médiums, euh, que ce soit au cinéma ou sinon que ce soit au théâtre, même un petit peu, Jake, dans ton expérience. Euh, je me demandais. De travailler une œuvre littéraire en BD, d'adapter. Comment ça a été? Est-ce que c'était différent que travailler une adaptation d'un autre médium? Est-ce que c'était pareil qu'adapter un film? Euh, ça a été quoi les défis? Est-ce que c'est complètement différent? Est-ce que vous le ferez refaire encore cet exercice? Mais moi, ce que je voyais comme différence entre le scénario, je l'ai pas mal écrit comme j'écrivais un scénario de film. Sauf que je n'ai pas écrit. Euh... Ça veut dire que je vais travailler en me disant... Laisse... Quand j'écris des scénarios de films, je me dis laisse de la place au visuel, Lève de la place au visuel. N Oublie pas qu'il y a plein de choses qui vont être vues que tu n'as pas besoin de dire. En même temps, on avait une voix off dans, dans Alice, mais qui n'intervient pas trop souvent. fois, mais pas trop souvent dans la BD. Mais la différence, c'est que je ne découpais pas ça, mettons, en scène. Euh... Ça, je voulais que Jake s'amuse avec ça parce que la différence entre le cinéma et la BD, outre le mouvement, là, qui est la différence évidente, là, mais c'est que le, le, le cinéma, tu le découvres plan après plan. Une BD, tu ouvres la BD, puis tu as déjà une proposition visuelle en ouvrant le livre. La, la, la disposition des cases, tout ça, amène déjà une ambiance. <coughs> puis Jake me le dit dès le départ moi, je ne veux pas que ce soit des quatre, quatre bandes de trois dessins. Je veux que, que ce soit éclaté je veux que la disposition des pages elle-même, aussitôt que tu ouvres une page, il y a une émotion qui est dégagée par comment les, 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 les trucs sont disposés. Et ça, c'est la force de la BD, je trouve. Moi, moi je ne suis pas un spécialiste, là, mais je trouve que ça, c'est sa force. Par rapport au cinéma, le cinéma, tu ne peux pas avoir huit plans en même temps qui vont t'apparaître d'en face. Tu les découvres un après l'autre. La BD, oui. c'est pas innocent quand tu tournes une page de BD, ce qui va te sauter d'en face, ce qui va t'apparaître. Il, il y a déjà une émotion qui est véhiculée. Et ça, j'avais hâte de voir comment Jack allait travailler ces, ces superpositions de plans-là pour que même ces, ces plans-là ensemble créent une émotion. Puis en même temps, je savais que je pouvais aussi être beaucoup plus audacieux <laughs> dans mon scénario que si un scénario de film. Je savais qu'on pouvait aller plus loin que dans un film. Fait que, euh, mais je ne disais pas à Jake euh, tel plan, je vois telle affaire, telle affaire. Je, 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 voulais, je, je voulais y laisser ça. Là. Moi, c'était des dialogues et tout ça, mais lui, il s'amusait avec ça après ça. Puis euh, t'es bon. Es bon. <laughs> ça résume full ce que je voulais dire. Ah, Excuse-moi. Ben, là, là, rajoutera <laughs> je, je, je rajouterais peut-être juste une petite chose c'est que euh, avoir travaillé euh, en cinéma, on, on travaille avec un outil qui s'appelle les storyboards. Puis, il y a beaucoup de gens qui confondent les deux. Oui. ah, c'est comme une BD. c'est que, en fait, si ta BD, ce n'est que du storyboard, bien, ça va juste mettre en valeur ce que tu n'es pas capable de faire, qu'un film est capable de faire. Tandis que si tu le traites comme une BD, c'est un médium à part entière. fait que tu peux jouer avec tellement d'affaires, juste les onomatopées, euh, la disposition des bulles, le contour des cases. Puis, euh, dans la liste, moi, je voulais, comme Pat a dit, euh, je voulais pas faire du, des strips. Je voulais que tout s'imbrique un peu, puis que ce soit, tu sais, comme moi, qui guide un peu ton œil, mais qu'il n'y ait pas vraiment de délimitation claire de, de cases comme dans la page qu'on est en train de voir. Tu sais. euh, puis, du jouet avec le fond, puis tout ça. Fait j'ai essayé de faire une BD qui pourrait pas être racontée dans un autre médium. Oui, c'est ça. Euh, Exactement. Mm. puis moi j'ai réussi. Je ne sais pis, pas ça. ça J'ajouterais que bon euh, bon, mon scénario était trop long, puis Jake il me dit après, Je me suis permis de couper des phrases, Patrick, des bouts, tout puis tu iras comprendre ton scénario, puis tu me diras si c'est fatigant. Je me suis dit, non, je ferai pas ça. Je vais lire ces ses premiers sketchs qu'il a fait, là avec les bulles tout ça. Je vais les lire sans aller voir mon scénario. Puis je vais juste me demander, il manque-tu quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui me manque comme information puis que je vois pas? Puis à part une ou deux endroits que j'ai fait Ah, Jake, là, il manque quelque chose, le reste du temps... Je crois qu'il manquait rien. Donc, il a coupé plein de petites affaires, mais je ne sais pas c'est quoi. Je ne le sais pas, puis ce n'est pas grave. Parce que ça ne <laughs> manque pas. Ça manque pas. Pis je pense que ce qu voit, la, si c'est réussi ou non, l'adaptation. C'est que toutes les émotions que moi, je voulais qu'il soit dans BD sont là. Je n'ai pas besoin d'aller voir Hey, quelle phrase qu'il a coupée Ça marche. Si ça marche, moi, je n'ai pas de problème. Il ne faut ça, plus que je pense roman. Il faut que je pense BD. C'est c'est ouais. une BD. Ça, c'était une belle journée, cette fois-là, pour moi, parce que je venais de couper, tu sais, j'ai travaillé juste sur éditer le scénario, là, j'ai travaillé là-dessus pendant quatre mois, puis j'ai dû couper, là, une quarantaine de pages au script, tu sais. À, 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 petit à, sens à, à gauche à droite, là, Exact, ouais. puis là, d'enlever ça, mais là, on fait référence à ça plus tard, fait que là, est-ce qu'on décide d'enlever ça aussi, ou, tu sais, puis... Puis là, finalement, tu sais, j'avais travaillé fort là-dessus, puis là, je, je fais lire mon découpage à Patrick, puis aux éditeurs, puis Patrick m'a dit, « Man, tu m'avais dit T'avais fou le couper, mais finalement, tu n'as rien coupé. C'est euh, comme le plus beau compliment. <laughs> non, yes. non, puis moi, je ne <laughs> suis pas le genre d'auteur euh, qui veut qu'on respecte son œuvre à la lettre, tout ça. Moi, je veux faire le meilleur produit final possible. Fait que euh, s'il coupe des affaires que je ne m'en rends pas compte, c'est bon pareil. Euh, why not? C'est ça qui est important. Faut pas qu'il y ait un ego là-dedans de dire Ah, il a, il a coupé des bouts de mes dialogues Je trouve mm. que ce n'est pas pensé. C'est mal pensé, penser comme ça. Il faut que faut, 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 je m'oublie là-dedans, il faut que je pense à l'histoire marche-tu. C'est ça qui est le ouais. plus important. Hmm. Euh, il nous reste quelques minutes. Je veux laisser la parole à ceux qui sont avec nous en direct. D'ailleurs, on les salue, les auditrices et auditeurs. On a Eric qui euh, veut vraiment savoir c'est quoi la fin de cette histoire, Jake, avec ta copine et en quoi la discussion ah, oui. que vous avez eue euh, a influencé ensuite l'écriture de la scène difficile. Ah ben merci de me le rappeler parce que c'est vrai tantôt, on a comme euh, switché. Ouais. C'était important parce que euh, elle qui a, qui a écrit euh, puis qui, qui a fait une pièce de théâtre là-dessus euh, sur le sujet du consentement, on se parlait de comment traiter ça, tu sais, un, un, un geste aussi horrifique sans tomber euh, dans, dans le, le, le gratuit puis le, le mauvais. Ouais. Fait que j'y avais demandé, tu sais, comme toute ta scène, comment tu tu la traites dans ta pièce de théâtre. » Puis elle m'avait dit « Ah, on ne la voit pas. On Exactement. focus sur d'autres choses pendant que ça se passe. » Puis tu sais, quand elle m'a dit ça, j'ai eu un frisson, parce j'ai fait « OK, c'est ça qu'il faut que je fasse. » Mais là, comment, comment maintenant montrer quelque chose sans le montrer? Puis euh, ben là, je vous garde des surprises, je vous lirai à BD pour voir. Là. Mais ça. bref, c'était juste, je trouvais ça beau, parce qu'on était en train de parler de quelque chose d'extrêmement tough, mais en faisant la vaisselle ensemble, puis en essayant de trouver une belle manière de traiter ça, fait que hmm. c'était ça l'anecdote. La fin de l'histoire. D'ailleurs, si il y en a qui se posent la question, comme Audrey, quand est-ce que le livre va sortir? On n'a pas encore de date officielle, mais dès qu'on l'a, euh, croyez, euh, soyez-en sûr, oh oui. vous allez le savoir. <laughs> C'est cet automne. Cet automne, c est, c est automne, ouais. automne euh, dès cet ouais. automne, mais dès qu'on a une date officielle, on pourra euh, le communiquer. Euh, est-ce que tout ça, en terminant, messieurs, vous a donné envie de continuer? à faire des adaptations de livres. Patrick, est-ce que tu vois d'autres livres? J'ai rien contre, il euh, faut, faut voir, euh, mais il euh, faut que ce soit un projet porteur aussi, il faut que ce soit un projet qu'on a le goût de faire tous les deux. Mais là, comme ça, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, mais à ce que je peux pas dire que je suis contre l'idée du tout. Là. Je veux dire, moi, ça a très bien été ma collaboration avec Jay. que je serais très... En... On, on collabore encore un peu ensemble par les, 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 par les, les couvertures de, 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 de romans. Mais non, non, je ne suis pas, pas contre l'idée du tout. Euh, parce que, tu sais, c'est ça, tu travailles avec quelqu'un, mais tant que tu n'as pas travaillé avec, tu ne sais pas si, ouf, ça va être un cauchemar, ça va être la fun, tu sais. Finalement, c'était très agréable. Alors, moi, si on trouvait un autre projet commun, si ça arrivait, euh, je ne serais pas malheureux du tout, du tout, de ça. C'est le fun d'aller sur une terrasse puis prendre une bière, on s'en rappelle, hein? Ça commence de même puis ça se continue de même aussi, des fois. Euh, non, mais moi, ce qui est, ce qui est particulier, c'est que ça m'a vraiment lancé... Euh, je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'ai tellement travaillé sur le scénario, euh, tu sais, à l'éditer et tout, que ça m'a donné envie d'écrire. Fait que euh, mon prochain projet... Ah oui, tu m'avais dit ça, c'est vrai. C'est moi qui l'écris au complet. Ça va être moins gros qu'Alice, Je ne sais pas, je vais refaire une BD de 270 pages un jour, mais... Bien, ça. Euh, fait que ça, c'est mon prochain truc, mais éventuellement... Puis là, c'est drôle, parce que... c'est ce pas pour euh, placer la question, mais... C'est le genre de question que c'est comme demander une femme de moins enceinte si elle veut avoir un autre enfant. Oui. <laughs> on, on va voir la réaction, on va voir la popularité du livre, si ça fonctionne, c'est quoi la, la réception, tout ça. Mais c'est sûr que si les gens tripent, moi je serais vraiment curieux de savoir euh, c'est quoi le roman pas... de Patrick. Ce que <laughs> j'aimerais peut-être encore plus, puis je lance ça parce que je lance des graines là, dans, dans l'univers. C'est au lieu d'adapter un autre roman que je te vois venir? De, de faire une création. Oui, je, je, te, je te voyais venir tellement, là. Je, 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 je savais que tu t'en allais là. Peut-être <laughs> avec un personnage qui est dans la liste, peut-être, je ne sais pas. Il mmh. faut être prudent avec ces questions-là parce qu'on ne sait jamais, en fait. C'est pas, pas parce ouais. qu'on n'a pas le goût, c'est que qu'est-ce que la vie nous réserve comme projet, comme ci, comme ça? T'sais, oui, ça nous tenterait, mais ça va-tu à donner? Il faut rester prudent, mais c'est sûr qu'on a eu du fun à faire ça. Ça, ça c'est clair, clair. Est-ce que l'inverse pourrait exister? Est-ce qu'on aurait pu euh, prendre une bande dessinée puis écrire un roman? Je ne pas si ça s'est déjà fait, J'ai Je n'ai pas vu. Ça s'est déjà fait, Jake? Oui, euh, ben, j'ai un exemple qui me vient en tête tout de suite, c'est euh, Hellboy. Euh, Hellboy, c'est une BD à la base, mais il y a eu plein de romans sur l'univers qui ont développé ça, mais je suis sûr qu'il en existe un peu. Oui, ouais. il, il y a des romans de Call of Duty puis de oh, oui, les normalisations, tout mmh. ça. C'est vrai, c'est vrai. Euh, sûr qu'il y a d'autres romans de BD. Tout, tout ça peut. Tout ça pue. puis quest qu Ce qui serait intéressant, ce serait comme exercice pour un écrivain, c'est mettons que moi je fais une série d'images, puis qu'après ça, Patrick écrive une histoire autour de ça ça ça, ça. ça, ça peut être, ouais, oh, être inspiré ouais. de, de ces images-là. Fait de ben, oui, tout fait. On de continue. Ben oui, je fond. vois ça. Si on continue, on peut continuer la conversation en ligne. Si vous avez d'autres questions, écrivez. Puis peut-être que justement, Jake et Patrick vont pouvoir aller vous répondre sur Facebook si l'occasion se, se présente. Merci à vous deux d'avoir été là, Patrick Sénégal et Jake Dion. On, ah, va, oui. on va pouvoir euh, assurément euh, vous lire dans le futur au mois de. On ne sait pas encore, à l'automne 2020 mais on, on se croise les doigts pour que ça soit bien juste tout merci d'avoir été veux, là oui je veux juste me faire une petite plug il euh, y j'ai un site web euh, où les gens peuvent aller voir toutes mes work in progress euh, fait que c'est un patreon en même temps fait que c'est euh, juste sur patreon c'est euh, Jack Dion puis c'est vraiment cool parce que justement je vais poster des photos de mes aquarelles ou de, de trucs que sais que, que personne d'autre va voir fait que c'est super le fun, puis c'est une occasion aussi pour euh, poser des questions, puis genre avec le monde. Puis, euh, fait que euh, allez voir ça. Certainement, mais merci, Jake, pour la proposition. Merci d'avoir été là merci et uh, soyez avec nous mercredi prochain pour la suite de ces conversations mixtes présentées par le Festival de la bande dessinée de ben, Montréal. Merci. merci. Merci au FBDM, merci à toute la gang. Merci tout le monde, ouais. Catherine, c'est super apprécié, puis euh, on a bien hâte de, de, de lire ça, puis de l'avoir dans nos mains. L'année prochaine, on sera là en vrai. Yes. yes. <laughs> bye tout le monde. Merci, bye bye là. Ciao. Bye. Euh, pour le filipé, pour pour le